Ce résumé vous est proposé par Heineken et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Techniquement, ça s'est pas mal vu avec Tadic. Le centre au deuxième, la reprise et Adrian qui capte tranquillement ce ballon. Bonne relance de la part de Donana. Le Camerounais, ça permet à l'Ajax, vous voyez, de remonter assez vite verticalement. Là, on a cassé les lignes du côté de Liverpool avec une frappe. Non, la remise. Oh, la frappe intéressante. Ça ne passe pas très loin. C'est parti des pieds de Ryan Gravenberch. Et Klopp n'est pas content, pas content du tout. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas content du tout de la manière dont ses joueurs ont pris cette rencontre. Et attention, ça c'est une belle possibilité, Promesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Neres qui ouvre le pied et Adrian, alors qu'il y avait une position de hors-jeu, j'ai l'impression. Non, rien n'est sifflé. C'est une très très belle parade, en tout cas s'il n'y avait pas hors-jeu de la part d'Adrian. Mais je me pose quand même une question sur la passe de Promesse pour Neres. Il était face au but, il aurait pu frapper, je pense, Quincy Promesse. On peut avoir des regrets, hein, du côté de l'Ajax. Ça ne joue pas grand-chose. Ça, c'est pas mal par contre. Avec Mané qui dévisse. Oh là là! Et c'est l'autobut. Tagliafico. Pas de chance. Pas de chance pour Nicolas Tagliafico, l'Argentin. Qui met ce ballon dans son propre but. J'aimerais revoir, parce que je ne sais pas ce qui fait en sorte qu'il soit surpris comme ça, parce que la frappe de Mané était complètement ratée. Comme quoi, ouais, parfois il faut tenter sa chance. Sur un malentendu, on ne sait jamais, ça peut marcher, comme dirait célèbre philosophe. Très bon ballon dans l'axe pour James Milner. Contrôle difficile. Et bon jaillissement de Daley Blind. Ouais, pas mal ce ballon. Oh, ça va être but ça pour l'Ajax. Le lob, c'est au fond, non, Fabinho. Ouais, ça n'a pas bipé sur la montre de Félix Brieck. La goal line technologie n'a pas validé. Donc on fait confiance à cette technologie-là qui a montré la plupart du temps sa réussite. Oh, et attention, on n'est pas loin d'un deuxième but contre son camp de la part de Skurs, qui a un petit peu de réussite là par contre. C'est pas mal tenté de la part de Tadic, le geste est bon. Attention avec la scène. Oh, frappe, elle est belle sur le poteau. Tadic maintenant s'est dégagé. Grosse alerte pour Liverpool dès le début de cette deuxième mi-temps, avec cette patate de l'ancien joueur d'Everton, David Klaassen, qui prend ce ballon un petit peu de l'extérieur du pied. Vous voyez cette trajectoire fouillante. Et on essaie de repartir offensivement. Tadic, Klaassen. Ouais, il y a un coup à jouer pour l'Ajax qui est en surnombre pour l'instant. Le service dans l'axe et la reprise avec Adrian qui ne parvient pas à maîtriser ce ballon. Quincy Promesse. Belle combinaison de l'Ajax. Minamino. Jota. Robertson. Shaqiri. Oh, Minamino, la frappe, elle était belle, elle était sèche, elle était flottante, surtout cette patate de la part de Minamino. Ça c'est pas mal, avec le but peut-être de Wijnaldum. Non,
Minamino encore, qui ouvre sur la droite avec Shaqiri qui peut frapper du pied gauche peut-être. Shaqiri, la passe pour Minamino, c'est bien joué. Le deuxième but pour Liverpool, non, toujours pas. Et à un moment, il va falloir mettre le ballon dans la boîte. La sortie d'Adrian, hésitant, avec un ballon au-dessus, avec Kellenkamp. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League.